Bonjour, bah, je m'appelle David. Moi, c'est Déborah. Je m'appelle Samia, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Sia. Je m'appelle Shailina, j'ai 12 ans. Je m'appelle Marie-Paul, j'ai 14 ans, j'habite ailleurs. Pachel, j'ai 15 ans. Candy, j'ai 14. Jamila, la boss, 14 ans. Ouais. Attends, attends, j'oublie un truc. Hein. Rachel, la boss de l'univers, Miss Univers. Ouais. Je m'appelle Tiffany, mais tout le monde m'appelle Princesse. J'ai 22 ans et je dois dire que je suis vraiment citoyenne. J'adore la citoyenneté, j'adore aussi la civilité. Je possède des droits civiques, je vote beaucoup, je suis très tolérante, mais pas envers ceux qui m'embêtent. Nous vous remercions Tiffany, nous vous recontacterons. Allô, je crois que je suis prise. Est-ce qu'on m'a vu? Je crois que je suis prise. Au suivant. Cette année, sur les théâtres, on a travaillé sur le thème de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est aider les gens. Mm-hmm. Les gens vous aident au retour. Mm-hmm. Ils vous donnent de l'argent. Mm-hmm. Ah, ça c'est bien. Non, vous c'est... donnez de l'argent à ceux qui ont besoin. Ah non, non, ça c'est pas. Et ensuite, vous êtes tous unis. Mm-hmm. Non. Et comme ça, plus de bêtises. On a fait une pièce qui s'appelle Super Citoyen. On parle d'une ville qui a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour combattre l'incivilité. Bonjour madame, vous avez l'incivilité? Incivilité, ça n'existe pas. De l'incivilité, vous voulez dire, avec un L apostrophe. Ça veut dire quoi? L'incivilité, c'est un manquement aux règles en comportement, en société, comme l'impolitesse, l'agressivité. Au secours, monsieur, essayez de m'inquiéter. Ça, c'est de l'incivilité. Non, ça, c'est un délit puni par la loi, il faut faire quelque chose. Ils sont trop grands pour moi. Aussi, il y avait une scène où je crois qu'il fallait recruter quelqu'un, un casting, pour rechercher Super Citoyen. Bonjour, si c'est pour le truc super-héros. Ah, parce que maintenant, je suis chaud, hein. Je me suis échauffé, pompe, musculation. Au suivant. Ne vous inquiétez pas, tant pis. C'est du bon, vous êtes gentil, mais ce n'est pas comme ça que nous allons régler la situation. On ne va pas frapper? Non. Si vous avez changé d'avis, je suis là. Au suivant. Vous écoutons. Où sont les autres candidates? Vous êtes reçu un par un. Il n'y a pas comme ça dans les autres concours. Que pensez-vous de la citoyenneté? Je pense que la citoyenneté, c'est bien. Que pensez-vous faire si vous avez ce poste? Ce poste? Je ne suis pas là pour le titre. Quel titre? Miss Super Citoyenne. Au suivant. CV? CV? Expérience. Quelles sont vos qualités? Au revoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Au suivant. Vous êtes très bien, jeune homme. Vous êtes prêt à défendre la citoyenneté. La quoi? Au suivant. Personne ne sait ce qu'est la citoyenneté dans cette ville. Moi, je sais. Outre un statut juridique, la citoyenneté se définit aussi par des valeurs. On peut en évoquer trois. La civilité, le civisme et la solidarité. La solidarité est importante dès lors que les citoyens ne sont pas de simples individus, juste à poser mais un ensemble d'hommes et de femmes attachés à un projet commun. Parfaite, vous êtes parfaite. Mon tarif est de... Stop. Je vous arrête. Pas rémunéré. Pas rémunéré. Je suis en retard, je ne trouve plus ma robe. Vous êtes citoyenne, on n'est pas dans la salle des mariages. De l'autre côté du couloir. Je suis désespérée. Moi, je suis madame le maire. Ah ouais, Bah, c'est une mère, celle qui dit ce que les gens faut qu'ils fassent dans la ville, faut que je règle ce qu'il y a, les problèmes dans la ville et tout. Madame le maire, madame, je l'ai trouvé. Vous êtes sûre? Il a l'air bien ce petit, et puis nous n'avons pas le choix. Très bien, jeune homme, vous êtes notre super citoyen. Je commence quand? Maintenant. Et rappelez-vous, combattre l'incivilité et aider les gens. On a plusieurs personnages qui évoquent plein de caractères différents. Ouais, si voilà, moi je vais être la blidard, après je vais parler, après je vais faire rire le public, et voilà, ça serait trop bien, tu vas voir. Ah oh, bonjour madame, vous arrivez en civilité? En civilité, non, j'ai pas vu. Et à la fin de la pièce, on arrive tous à se mettre d'accord sur les projets de la ville. C'est la solution? Vous êtes tous devenus super citoyens? Nous nommons tous et officiellement super citoyens. Félicitations. La belle arnaque, tous des super citoyens, vous y croyez-vous? Ça ne marchera jamais. Allô, ouais, tu sais quoi? Je te l'avais dit, je suis prise. Je peux jouer plusieurs personnages. Comme qui? Ouais, comme qui? Comme quoi? Un papy? On a besoin de vieillesse. Ah, mais là... Monsieur Bernard, vous étiez passé où? Vous savez, moi, je ne sors pas beaucoup. Dehors, c'est tôt préférant. Moi, j'ai peur des gens, et ils sont capables du pire. Et du meilleur, croyez-moi. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, il y en a qui font du bruit en bas de chez moi. Je suis venue voir madame le maire. Je vais me plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Venez avec moi dans le parc et reste quelques papiers à ramasser. Dans le parc? Il y a des gens?
Moi, j'ai peur des gens. Et s'ils m'attaquent? Je vous sauverai, je suis devenu super citoyen. Comment vous avez fait? Je combats la civilité et je ramasse les déchets. Ce n'est pas compliqué. La civilité. Venez avec moi, je vais vous raconter. J'ai voulu faire du théâtre parce que pour moi, en fait, ça permet de pouvoir mieux s'exprimer et d'être moins enfermé. Ça permet aussi d'être plus libéré et tout, et enfin de mieux communiquer avec les autres. Et c'est une belle expérience faire du théâtre en fait, et j'ai aimé le faire. Alors pour moi, le théâtre c'est bien, parce que d'habitude c'est dur pour moi d'apprendre mes poésies, mais plus en plus je fais du théâtre, j'apprends plus mes poésies, mes textes, tout ce que j'ai à faire. Et puis en plus c'est vrai qu'on s'exprime en fait, c'est bien parce qu'en fait on peut tout relâcher. Quand je suis au public et je fais des spectacles avec mon groupe, et ben en fait ce qui est bien c'est que du coup je m'exprime devant les gens. D'habitude je suis timide devant les gens, je dis rien. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien le théâtre, et aussi parce qu'en même temps j'apprends à connaître d'autres personnes qui ne me parlaient pas vraiment. D'habitude je restais plus avec des personnes de mon âge, et du coup c'est pour ça que j'aime bien le théâtre.